Excusez-moi, mon casque me tient chaud et me démange un peu. Par tous les lois! Non! Voilà la vraie puissance des trolls de sang. Oh père, pourquoi les avoir ignorés aussi longtemps? Ces lâches de Zuldalari. Merde. Putain, des arts. Je dois d'abord choisir une cible. Ces lâches de Zuldalari, je les maudis. Pourquoi n'ont-ils pas éliminé cette menace plus tôt? Mon père a été stupide de croire qu'elle disparaîtrait comme ça. Bug de. Nous débarrasser d'Athéna ne suffira pas, c'est bien pire que tout ce que j'ai pu imaginer. Il faut y aller, mieux vaut ne pas traîner dans le coin. Je savais que les trolls de sang représentaient une menace, mais je n'aurais jamais imaginé ça. S'il libère ce monstre, c'est la fin de Zuldazar! Maintenant, tu vois? Maintenant, tu comprends? Goon vous emportera tous! Il faut partir! Accrochez-vous! Cours toujours, princesse! Rien ne te sauvera de mon maître! Goon, il va t'avaler toute crue! Je n'ai pas peur de toi ou de tes monstres! Je vous tuerai tous, moi-même! Je n'ai accès Ils à vont rien. Arrêter de nous suivre. On dirait qu'on les a semés. Les trolls de sang seront invincibles s'ils libèrent ce monstre! Même avec la Horde, vous ne suffirez pas à les arrêter. Il nous faut un nouveau plan. Dépêchez-vous! Les autres ne sont pas loin! Hmm? Ils ont un quoi? Mais vous aviez dit que c'était juste des indigènes! Goon doit les rendre plus puissants. Trop puissants pour nous. Une nouvelle stratégie s'impose. À vous entendre, vous l'avez déjà, princesse. Les temps changent et les Andalari devraient suivre le mouvement. Alors, il nous faut renforcer notre position. Nous sommes le dernier rempart qui protège mon pays de la destruction. Voyons ce qui peut faire, ce qu'on peut faire pour combattre les trolls de sang. Puisse les craintes de vos ennemis pour arrêter les trolls de sang. Ce qui nous laisse qu'une option. Les Loas de Nazmir. Les Loas? Ce sont des êtres anciens et puissants, princesse. Comment vous savez s'il y en a dans ce marais? Nazmir est un endroit maudit. Mais c'est la demeure des Loas. Reculez, je vais découvrir qui se cache ici. Là, Torga, le Loa tortue. Il est sage et bienveillant. Je sais qu'il nous aidera. Voyons qui d'autre est là. Le Loa grenouille Kragwa. Il se trouve en Nazmir. C'est un puissant Loa qui ne tolérera pas ces maudits trolls de sang. Ah, Irik, le Loa chauve-souris. Il est sûrement quelque part en Nazmir. C'est un malin. Il doit savoir comment arrêter tout ça. Bwom Samdi, le Loa de la mort. Il est puissant, mais dangereux, toujours à marchander ses services. Je ressens son pouvoir. Il est proche.
plus que tous les autres Loa. Donc, on va faire un marché avec le Loa de la mort. Le Loa tortue, le Loa chauve-souris et le Loa grenouille. Tout ça pour arrêter les trolls de sang. C'est le seul moyen de sauver mon peuple, Rokan. Je ferai n'importe quoi pour le mettre en sécurité. Tu es avec moi ? Je le suis, princesse. Jusqu'au bout. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a 2-3 lois, à mon avis, ils vont nous la mettre en Zandalar, Zandalar, pour toujours. La menace des trolls de sang, elle dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Cet assemblage est assez puissant pour anéantir tout Zandalar. Il va falloir bien plus que la horde pour arrêter ça. Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple. Ne sous-estimez pas la horde, princesse. Avec des lois. Grâce à ce gun, les trolls de sang, ils sont plus puissants que jamais. Et voilà qu'ils déploient un assemblage géant. Ce qu'il nous faut, c'est un plan pour anéantir l'assemblage. Gun et les trolls de sang, ce ne sera pas une sinécure. Je vous préviens. Cela dit, j'ai une petite idée. Puisse Bon Samedi voir vos ennemis avant qu'ils vous voient. Ah, il nous faut plus de puissance pour arrêter les trolls. Ok, j'aurais dû écouter après. Ce qui nous laisse qu'une option, les Loa. Bon, on va se retaper la discussion. Je suis désolé. Ce sont des êtres anciens et puissants, princesse. Comment vous savez s'il y en a dans ce marais ? Nazmir est un endroit maudit, mais c'est la demeure des Loa. Reculez. Je vais découvrir qui se cache ici. Là, Torga, le Loa tortue. Il est sage et bienveillant. Je sais qu'il nous aidera. Voyons qui d'autre est là. Le Loa grenouille Kragwa. Il se trouve en Nazmir. C'est un puissant Loa qui ne tolérera pas ces maudits trolls de sang. Ah, Irik, le Loa chauve-souris. Il est sûrement quelque part en Nazmir. C'est un malin. Il doit savoir comment arrêter tout ça. Ça a bugué ? Ça a bugué ? Sérieusement ? Oh non, sérieusement ? Oh, je vais abandonner la quête et la reprendre. Ok. Tu saches reload. Comment ça se fait qu'elle a disparu comme ça? Je suis désolé, elle a disparu. C'est compromis. Écoutez, je retiens, et puis on va devoir arrêter cette session de tournage ici. Vu que... je peux plus progresser, là, le PNJ a bugué. La princesse a disparu, je peux rien faire. Donc, je coupe, et puis je vous retrouve quand le bug se sera...
protéger, quoi. En attendant, j'ai abandonné la quête. J'attends que... qu'elle réapparaisse, quoi. Voilà. Allez, bah. À plus tard. Et je passerai la conversation, voilà, toute la discussion, et on reprendra après la discussion. Comme ça, au moins, ce sera tranquille. Bien, eh bien, bonjour à tous. Alors, je vous explique, ça fait plusieurs mois, en fait, que je n'ai pas tourné depuis la dernière coupure. Là, pour vous, ça fait quelques secondes. Pour moi, ça fait quasiment 8 mois. Voilà, que je n'ai pas... Alors, c'est pas que je n'ai pas joué au jeu, au contraire, j'ai beaucoup progressé dans le jeu, mais pas sur l'extension Battle for Azeroth, évidemment, je laissais ça pour le tournage. Déjà aussi, j'ai changé de système d'exploitation entre deux, j'étais sous Windows 8, il me semble, pendant mon dernier tournage, et maintenant je suis sur Windows 10, donc voilà, donc j'ai des meilleures performances. On va faire un petit peu le tour avant de continuer, mais voilà, j'ai pas avancé dans le scénario, hein, j'ai juste avancé sur plusieurs choses qu'on va voir ensemble. Attendez, je vais remettre le jeu parce que j'ai dit sur Explit. Premièrement, hop, on va commencer par ça, mon pognon, je suis à 1 million. Voilà, je suis à 1 million, 1 million, 1 million 2. 1 million et 20 000 pièces d'or, voilà, en gros. Voilà, donc ça, voilà, ça... Donc j'approche de mon objectif des 5 millions. Je vous rappelle qu'il me faut 5 millions de pièces d'or pour pouvoir avoir la monture que je veux. Donc ça, c'est un des objectifs que je suis. Ensuite, vu que, voilà, j'avais envie de platiner un petit peu le jeu, j'ai augmenté énormément de réputation. Alors pas toutes, mais voilà, l'aube d'argent, le cercle sénérien, c'est ce que j'ai fini il y a pas longtemps. Voilà, donc je, quand j'ai le temps, voilà, je fais les différentes comment, les différentes réputations. Donc il y en a pas mal, voilà, toutes celles qui sont exaltées, c'est fini. Donc pour WoW classique, pour Bonnet Crusade, je les ai quasiment toutes. Il y a eu le consortium, mais le consortium c'est super chiant à monter. Et les gardiens du temps, en fait on le fera peut-être aussi en vidéo, parce que c'est super intéressant. Donc j'ai avancé un petit peu, mais voyant qu'il y avait quand même beaucoup de lore dans les quêtes des gardiens du temps, je me suis dit... On va peut-être le faire en vidéo. Donc pour le moment, j'ai mis en stand-by. Pour l'extension Rise of the Lash King, pareil. J'ai monté... Non, attendez, hop, ça c'est Bonnet Crusade. J'ai monté voilà, les verdicts des cendres et puis toutes les expéditions de la Horde. Tout ça, c'est monté. Il me reste 2-3 trucs, mais voilà. Cataclysme, j'ai rien monté. Mist of Pandaria non plus. Warlord of Draenor non plus. Et dans Légion, voilà. Dans Légion, je sais qu'il faut que je continue à faire les quêtes. Mais principalement, les gardiennes, je suis en train de les monter. La cour de Ferrondis, pour le moment, ce sont les deux que je suis en train de monter quand j'ai le temps. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas vraiment. J'ai pas vraiment suivi. Quelle récompense, donc je vais vous les remettre, mais je sais pas exactement quelle récompense je peux avoir avec tout ça. Je sais qu'il y a des montures que je peux avoir avec ce genre de réputation. Celle que je savais, c'était pour Bonnet Crusade, c'est l'aile du néant. Voilà, l'aile du néant me permet d'avoir cette monture. Donc que j'ai eu, donc voilà, c'est l'aile du néant, tout simplement. Niveau monture, voilà, j'ai aussi eu celle-là. En baladant à Pandari. Qui est plutôt cool. Donc voilà, c'est tout. Après, niveau monture, j'ai pas vraiment progressé. Mais voilà principalement les évolutions. Ah oui, et puis bien sûr, mon e-level. Je viens de passer il y a pas longtemps en e-level 403. Donc voilà.
C'est assez frais d'ailleurs. J'étais level 400 pendant longtemps, puis là je viens d'avoir une nouvelle capuche qui est toute neuve, là, qui a même pas une heure. Donc voilà, e-level 403, cœur d'Azeroth niveau 58. Voilà. Faudrait que je continue à le monter. Mais ça, je le fais quand je fais des BG. Hop! Allez, on est reparti pour le scénario. Vous avez plus ou moins. Voilà ce qui s'est passé. La princesse, vous l'avez entendu. On a un objectif : affaiblir les trolls de sang et gagner la faveur de Selloa. Alors. Dans le marais et faites tout votre possible pour aider la princesse à combattre les trolls de sang. Ok. Nous avons 4 Loa, mais à part. Allons-y, Jochunga. J'ai un plan pour débusquer Eric. Bon. Nous avons 4 Loa, mais à part Bromsom D, tous manquent à l'appel. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je suis prête à tout pour arrêter les trolls de sang, même si pour cela, nous devons. Pactisé avec le loa de la mort. Autrefois, Bromsom D avait un temple ici, un Azmir. Mes visions, elles ont révélé plusieurs endroits au nord où émane une présence magique. Allez les inspecter à la recherche d'indices. Faites vite, MDG le Normand. Zuldazar tombera si nous n'obtenons pas l'aide de Bromsom D. Ok. Zandala résistera. Bromsom D. Je me souviens plus aussi si je vous avais montré cette monture là. Donc je vous la montre rapidement. C'est une monture qu'on gagne en faisant des BG. C'est une monture voilà qui distingue les joueurs en BG, en Battleground. Donc voilà. Ce qui est plutôt cool, j'aime beaucoup, je m'en sers pas mal. Elle ne vole pas, bien sûr, hein. C'est un simple cheval, mais il est plutôt classe et j'aime beaucoup. Donc, voilà. Alors, on va juste regarder la carte, mais en gros, ouais, ok, d'accord. Donc, les points sont de toute façon, voilà, indiqués. Alors j'ai aussi revu un petit peu la qualité du jeu à la hausse, j'ai mis un... Enfin comment, je suis à 7 sur 10 en qualité graphique. La première présence que j'ai ressentie était proche de l'eau. Ce monument est ancien, mais il ressemble en tout point au sanctuaire dédié à Bromsom D, à Zuldazar. Cette offrande est encore fraîche. On dirait que Bromsom D est un fidèle ici, dans le marais. Oh, bon. Alors, je me fais pas trop de soucis, hein, niveau... Bon. Au niveau PVE, je me fais pas trop de soucis, hein, en vrai. Je sens de la colère et du chagrin ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit, mais cela ne s'est pas bien terminé. C'est pas vrai. Cassez-vous! Alors pareil, je me sers beaucoup plus de mon marcheur du vide que mes autres démons. Parce que... en fait, je me suis rendu compte, je m'en étais jamais rendu vraiment compte, mais c'était en faisant, des vieux donjons, je me suis rendu compte, c'est que mon marcheur du vide, il a un sort de groupe. Enfin, il a un sort de zone, en fait. Donc, ce qui est plutôt pratique contre les hordes de mobs, quoi. Bon, rien à me dire, Talenji, avant de... Bon.
Une trollesse de sang. On dirait qu'elle a été sacrifiée. Le tueur a laissé une dague. Un simple sort devrait faire l'affaire. Là, suivez le fantôme. Découvrons où l'adorateur de Buon Samedi s'est rendu. Ok. Celui-ci va faire une très belle offrande. Salutations. Vous lui voulez quoi, à Hanzabu? Vous lui voulez quoi, à Hanzabu? Ouais, enfin, les mecs qui parlent de la troisième personne, moi. Hein. Vous cherchez le temple de Brom samedi, il faut croire que votre situation est désespérée. Vous êtes en veine, c'est là-bas que je vais moi aussi. Okay. Faites gaffe à vous. Ok. Le temple de Brom Samedi, il n'y a que deux catégories de visiteurs qui osent s'y aventurer de nos jours. Ceux qui veulent passer un pacte avec la mort et ceux qui sont déjà raides. À vue de nez, vous vous rangez dans la première catégorie. Moi aussi, c'est là-bas que je vais... Un marché, voilà ce que je vous propose. Vous voyez ce pont, de l'autre côté, il y a une sorcière qui s'appelle Najima. Ça fait un moment que je suis à ses trousses. Les trolls de sang sont pourris jusqu'à la moelle. Mais leurs âmes peuvent servir d'offrande à Brom Samedi face à la sorcière. Moi, je ne fais pas le poids. Mais si vous arrivez à la tuer... Je vous conduirai jusqu'au temple. Parole de troll. Ouais, parole de troll. Débarrassez-vous de la sorcière. Okay. Cette sorcière a un mojo très puissant. Et ben on va lui faire perdre son mojo. Ah. Ok, c'est bon, je peux l'avoir comme ça. D'où je sens, il va nous alimenter. Mince. Ah, voilà. J'ai trompé, j'ai appuyé sur tabulation alors qu'il fallait pas. Ça change rien du tout. Bientôt, vous allez tous mourir. Vous avez assuré. Cette âme-ci, elle fera une sacrée offrande pour Bon Samedi. Maintenant, partons d'ici. Un peu plus loin, il y a un sanctuaire appelé Zobal. Retrouvez-moi là-bas. Je tente, hein. Je tente de passer au milieu. Ça passe. Non, ça passe pas. Bon, c'est pas grave. Attendez, j'ai vu un boss. Il y a un boss, là. C'est lui là? C'est l'air d'être lui. On va essayer de se le faire rapidement. Voilà, bon c'est rien, c'est juste un petit peu de points prodigieux, mais il m'en faut masse. Hein. Ouais, il me faut 2831 points encore. Je suis pas encore au niveau 59. Allez, mais voilà, de temps en temps, quand j'en croise un, je le fais. C'est pas pour le temps que ça prend. Ah non, fais pas chier toi, je suis en tournage. Hein. J'ai beaucoup à faire.
Alors, si tout bon, son âme, elle sera une offrande parfaite, mais avant qu'on aille au temple, il reste une dernière chose. Restez sur vos gardes. Cet endroit est sacré pour Brom Samedi, mais maintenant, ce n'est plus qu'un tas de ruines. Même les esprits, ils n'échappent pas au temps qui passe. Ils ont disparu en laissant leur enveloppe vide derrière eux. On va les ressusciter. Tenez, cette allumette, elle contient le produit de ma chasse aux âmes. Utilisez-la sur les esprits drainés. Et cet endroit, il retrouvera sa splendeur d'antan. Utilisez la breloque de Asobaru pour ressusciter les esprits. Votre âme, ne la perdez pas. D'accord, ok. Bon, c'est pas. Faut cliquer sur les esprits directement. Oh, ça va, il faut en faire que 3. Excusez-moi, je viens de le voir. Non. Non, ok, c'est juste. Le point que j'ai vu, c'est juste. Ok, je vois pas où est le troisième esprit. Mais c'est vrai que par contre ça a changé, j'ai ressuscité deux esprits, ça y est quoi, ça. Dingue ça. Il est où le tro... Il est où le troisième? Je suis désolé, hein, je dois passer à côté, hein, je. Peut-être à l'intérieur, je vais voir à l'intérieur. Ah, bien sûr, il était à l'intérieur. Il s'agit d'un aubergiste. Mais ouais, ça change. Hop. Salutations. Et je reçois des ressources de guerre. Reste, attendez. Quelque chose vient vers nous. Qui es-tu? Pas un troll de sang, sinon les esprits t'auraient déjà massacré. Je voudrais pas vous déranger, mais j'ai une demande urgente pour notre ami. Ok, pas de soucis. Bon, alors déjà, donc, excusez-moi. Un marché, c'est un marché. Pour moi, je paye toujours mes dettes. Et moi, je paye toujours mes dettes. Brom Samedi est sacrément puissant et il n'y a qu'un rituel tout aussi puissant qui vous permettra d'attirer son attention. Une chance pour vous que je sache exactement quoi faire. Son temple, la nécropole. Qu'est-ce qu'ils foutent? Son temple, la nécropole, il est à 2 pas d'ici, au nord. Venez me retrouver dans la cour et on essaiera de vous maintenir, de vous obtenir une audience avec les lois des morts. Ok. En fait, je vais déjà me rendre au lieu du rituel Vous pour le faites quoi? préparer. Retrouvez-moi là-bas quand vous pourrez. Je chandra un de nos éclairages. Alors, je vais prendre la quête et on va À la lire plus tard. plus. Parce que là, ça me plaît pas du tout. Il y a deux à deux là qui sont en train de foutre le bordel à côté.
Je m'attends à ce qu'il me tombe sur le rabble. Même si... Je sais pas ce qu'ils valent. Ouais, ok. En plus, ils ont l'air bien équipés. Vu la vie qu'ils ont, ils ont l'air bien occupés. Et bien équipés. Avez dit vaudou? Vous en Qu'est-ce faites pas? que... Quoi? Ça peut marcher? J'ai ce Ah, ok, qu'il vous d'accord. Alors faut. attendez, on va juste lire la quête avant. De toute façon, Rien les autres, ils ont l'air d'autre? de se barrer. Donc, Joshunga, un de nos éclaireurs, il devait infiltrer les trolls de sang. Mais depuis qu'il est parti, on n'a plus de nouvelles. J'ai besoin d'aide pour le retrouver. Pour le retrouver et découvrir ce qu'il a appris sur eux. Et pour ça, il va falloir que vous vous fassiez passer pour une de leurs femmes. Non, non, juste non. De tous les trolls de sang, ce sont elles qui sont le plus libres de leur mouvement. Je connais un rituel pour vous transformer. Aidez-moi à l'accomplir et vous ressemblerez à une trollesse de sang. On n'a rien de temps. Alors dans quoi je me suis engagé? Vous faut quoi? Je vous préviens. Ça risque de faire un peu mal. En fait, beaucoup même. Les trollesses de sang, elles commandent les guerriers. Alors, vous devez leur ressembler. Croyez-moi, ça va marcher. Voilà. Vous avez un esprit troll de sang en vous. Et vous devriez vous transformer quand vous approcherez de leur village. Ah d'accord, parce que là je me dis j'ai pas de... Vous avez dit vaudou? Vous en faites pas. Alors, je sais que vous vous dites sûrement que rien n'a changé, mais croyez-moi, le rituel vaudou, il a marché, je crois. Oui, bien sûr, voilà. Vous devriez vous transformer en trollesse de sang dès que vous serez près de Zalamar, un de leur village. Joshunga, il doit être dans les parages, sûrement là où de nombreux trolls de sang se rassemblent. Trouvez-le, dites-lui que c'est moi qui vous envoie, ensuite voyez ce qu'il a découvert. Dès que vous serez assez près de leur camp, vous vous transformerez. Mais attention, le déguisement, il n'est pas parfait. Super. Là, le truc, c'est qu'on a deux choix. Soit on va à la nécropole, soit on part pour ce truc-là. J'aurais plutôt envie de suivre la nécropole pour le moment. Ça me semble plus important. Donc on va plutôt partir pour la nécropole. Et on finira ça peut-être un peu plus tard. Ça a l'air d'être une quête secondaire en fait, hein. C'est pour ça. Alors attendez, Les bougies, elles sont en place, et les offrandes aussi. Maintenant, faut qu'on trace le cercle. Elle est waouh, elle est waouh l'ambiance quoi. J'ai beaucoup à faire. Restez sur vos gardes. Alors, tout est prêt pour le rituel, on va pouvoir s'y mettre. Pour que ça marche, il faut que j'étonne. Waouh, l'ambiance. Même sonore quoi, je veux dire. Il faut que j'entame les formules des ancêtres. Ce n'est pas rien. Alors, je vais avoir besoin de vous pour
pour tracer le cercle rituel avec mon fétiche. Oh, excusez-moi. Avant de battre la cadence sur les tambours, si tout se passe bien, Brom Samedi, il vous invitera à entrer dans le temple. Sinon, on peut dire au revoir à nos âmes. En d'autres termes, on n'a pas droit à l'erreur. Tracer le cercle des rituels avec le fétiche rituel. Puis battre le tambour. Putain, il casse les couilles! Putain! Oh, puis c'est des Espagnols, apparemment. Laissez-moi deviner. Vous avez vu Trogon? Non, je me suis fait sauvagement assassiner. Putain, mais quelle bande de connards. Allez! Je vous jure. Vous lui voulez quoi, Ahanzabu? Allez. La vision? Laissez-la guider vos pas pour former le cercle du rituel. Je sais pas où ils sont partis, mais ils cassent les burnes. Samedi sera pas content si vous bâclez la besogne. Donc, ouais, le cercle est là, hein. Ok. Bon. Ben, sauf que j'ai rien là, je peux pas. Ah, attendez. Non, attendez. Il y a un truc là, il y a un truc qui a du mal marché. Parce que je n'arrive pas à tracer quoi que ce soit, j'ai rien qui. Ouais, ça c'est mon ancienne capuche, faudrait que je la. J'ai rien là, enfin j'ai. Salutations. Attendez, ça a dû bugger. Vous lui voulez quoi, La Hanzabu? vision? Laissez-la guider vos pas pour former le cercle du rituel. Mais attention, bon Ah putain, samedi d'accord, ok. sera pas content si vous bâclez la besogne. Ah d'accord, ok. Oh, c'est chiant. Alors attendez, je vais me mettre en. Hop. Faites sonner le tambour. Voilà, je m'étais mis en mode marche pour pouvoir. Toba, Kuzuta Tobo, Metabochu. Grand bon samedi, le tambour il t'appelle. Ses offrandes sont pour toi. Oh, cette voix, je la connais et j'apprécie ces offrandes. Entrez. Ok, super. Je sais pas que je peux.
Oh putain, non! C'est pas les couilles. Ah, salut à toi, Anzabou. Tu viens payer tes dettes? Grand bon samedi. Je viens t'apporter d'autres âmes, comme convenu. Je t'amène cette âme qui veut te parler, puissant loi. Ok. Qu'est-ce que la mort, elle peut faire pour vous? J'avais pas froid aux yeux pour venir ici, mais faudra plus que du courage pour vous attirer les faveurs de Brom Samedi. À bientôt. Tout est bien. Ok, il y a masse de quêtes. Alors, ceux qui hantent les morts. Brom Samedi, c'est ce qui vous amène à vous chercher, à vous attirer ses faveurs. Il vous observe en silence. Vous allez devoir passer une épreuve pour voir si vous en êtes digne. Certains des esprits ici, ils me rendent plus hommage. Occupés, ils sont à chanter les louanges d'un certain Gron, et dans mon propre temple, par-dessus le marché, allez mater les esprits anciens les plus puissants. Si vous y arrivez, alors Brom Samedi, il consentera peut-être à vous aider. Ok. Allez-y, Brom Samedi, il vous regarde. Je dois retourner à Zobal. Il me reste des âmes à récupérer pour pouvoir payer ma dette. Ok. Fais comme ça. Ok. Depuis que les esprits ont commencé à invoquer ce gun, mon temple, il est couvert de la souillure immonde des morts-vivants. Devrait saleter ces machins-là, mais les pierres de sang qui les créent, elles sont très puissantes et leur pouvoir pourrait être utile à Brom Samedi. Alors, pour prouver votre dévouement, va falloir purifier ce sanctuaire et me filer leurs pierres de sang. Récupérer ces pierres de sang en décomposition pour Brom Samedi, ok. Et un temple profané. Les esprits des fidèles, ils sont toujours plus nombreux à débarquer dans mon temple. Vous voyez, ils sont tous là. Ils viennent pour passer de l'autre côté et rejoindre mon royaume. Mais ils sont pas seuls, non. Les esprits qui ont renié Brom Samedi, ils sont là aussi à chanter les louanges de ce gun à profaner la nécropole avec leur sale magie du sang. Trop c'est trop. Je compte sur vous. Va falloir faire disparaître les profondeurs qui infestent mon temple. Détruisez 5 profanations. Ville dans la nécropole. Okay. Tout le monde vient à moi. Putain, j'espère qu'il n'y a pas emmerdé lui. Mais putain, il fait chier. Il y retourne, hein? Merde. Bon, attendez, je...
casse les burnes, il casse les burnes. Ça a aucun intérêt en plus. Maintenant, le PVP dans le jeu n'a aucun intérêt. C'est vraiment pour emmerder quoi. Attendez, je cherche où c'est. C'est là. Talent. Faut chier. Je vais couper, je vais passer rapidement en Grimark et désactiver le mode guerre parce qu'ils vont m'emmerder tout le long. Et ça va être chiant pour la vidéo. Donc voilà, vous pouvez dire merci à ces connards. Sachant qu'en plus, quand on n'est pas en mode guerre, ben on doit renoncer à certains pouvoirs. Bon, je tente comme ça, mais si je les croise... Parce qu'ils levaient le maximum, alors ils ont décidé de faire chier le monde. Putain, puis ils aggro de loin ces mobs. Je peux activer une deuxième fois ? Bon bah... Voilà, c'est réglé. Ah, attendez, j'ai un truc là-bas. C'est quoi? Bon, attendez, eux, ils vont m'embêter. C'est le seigneur de guerre, là, qui... C'est le maître de cette terre. Même ce samedi le servira.
Bon, ils ont l'air de s'être barrés, les...